Surtout, ne fais pas de budget. Ne fais pas de budget. Il faut vraiment que, tu vois, tu sais, parce que des fois, les gars qui veulent devenir riches, c'est des gens qui sont un petit peu les ouf là. Les gars qui veulent devenir riches, des fois, ils ont des budgets, tu vois, genre budget pour investissement en soi, tu vois, formation, livre, coaching. Ils ont un budget pour le fun, par exemple. Ils ont un budget pour le secours, tu vois, s'ils ont un souci. Ils ont un budget bah, pour investir dans des actifs, racheter des actifs, tu vois. Non, non, non. Surtout ça, ne fais pas ça. Ça, non. Faut vraiment qu'il y ait zéro budget. Tout l'argent rentre et tu le dépenses comme ça. Pas de trucs carrés. C'est très important ce que je te dis. Et j'espère que vous preniez des notes, les gars. J'espère que vous preniez des notes. Si vous voulez vraiment y arriver, être pauvre, prenez des notes. Donc, surtout, ne fais aucun budget. Très important. Rien. Sixième conseil pour vraiment devenir pauvre, vraiment rapidement, c'est il faut que tu dépendes absolument d'un seul revenu. Tu vois, ne va pas t'aventurer à commencer à créer un business en ligne, à investir dans l'immobilier. Non, 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 non. Là, mon gars, tu vas te perdre. Vraiment important que tu gardes un seul revenu. Comme ça, si jamais il y a une crise comme le Covid-19 qui passe et que ton entreprise a fait faillite, eh ben, tu te retrouves directement sans job, sans salaire. Et comme tu n'en as qu'un seul, eh ben, tout de suite, tu te retrouves dans la merde. Donc ça, c'est parfait, ça. Et d'ailleurs, c'est exactement la stratégie qu'utilisent les joueurs de la NBA, toutes les stars, tu vois, qui ont des joueurs de NBA, de football, voilà. Après un moment, tu vois, ils finissent, ils font la banqueroute, tu vois. Ils font faillite parce qu'ils n'ont qu'une seule source de revenus. Et quand elle n'existe plus, quand la NBA arrête de les payer, ben, les gars, c'est cuit, ils deviennent pauvres direct. Donc tu vois, il faut toujours imiter les plus grands. Et tu vois, là, tu as des bons exemples. Une seule source de revenus, je peux t'assurer que déjà, t'es mec. Il suffit juste, t'attends juste un petit peu qu'il y ait un truc qui part en sucette et boum, tu perds ton taf et comme ça, t'es bon. En plus, en fonction de ton âge, normalement, ça va être difficile pour toi de retrouver du travail. Donc tu vas vraiment réussir à être pauvre. Garantie aussi, une seule source de revenus. Va pas t'aventurer, je te le dis. N'achète pas des actifs pour avoir des sources de revenus passifs, tout ça. Oh malheureux, fais pas ça. Ne fais pas, surtout pas ça. Septième conseil, dépense tout ce que tu as, d'accord? Et je dirais même plus, dépense plus que ce que tu as. Ça, c'est un principe que tu dois avoir. Attention, là les gars, moi je rigole pas. C'est un principe qui doit être vraiment une habitude de vie. Dès que tu as de l'argent, tu as 1000 euros, tu dépenses 1200 euros. Tu touches 2000 euros, tu dépenses 3000 euros. Et avec l'effet cumulé, ce qui va se passer, c'est que chaque mois, tu vas dépenser plus que ce que tu touches et tu vois, ça va se cumuler. Donc, imaginons que là, tu touches 1000 euros, mais tu dépenses chaque mois 1200 euros. Eh bien, ça fait que au deuxième mois, tu es déjà à découvert de 400 euros. Et après le troisième mois, tu es découvert de 600 euros. Et ainsi de suite. Et là, comme ça, tu es vraiment cuit de ouf. Et là, je peux t'assurer que la pauvreté, là, tu es pas mal. Hein. Là, je peux te dire que tu vas y aller direct. Il n'y a personne qui va te suivre. Et plus tu augmentes, là, je te donne le conseil, vraiment pour vraiment accélérer ton process, tu vois, vraiment pour devenir pauvre le plus rapidement possible. Si tu peux, par exemple, tu touches 1000 euros et que tu peux dépenser même 1300, 1400, 1500, ça, tu multiplies le truc, encore, ça va encore plus vite. Ça va encore plus vite. Surtout, l'erreur à ne pas faire, si jamais vraiment tu vas atteindre ton objectif, ce serait de ne pas dépenser tout ce que tu as. Genre, tu touches 1000 euros et genre, tu dépenses, je sais pas, 500 euros et le reste, tu mets de côté un truc comme ça. Non, 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 non. Ne fais surtout pas ça. Surtout pas.